Oui, c'est une manifestation de la population à l'extrême nord, précisément à Salak. On a arraché leurs terres, plus de 7 km, plus de 7 km. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas au courant, comme c'est à l'extrême nord là, beaucoup de gens ne sont pas au courant là-bas, parce que tout est muselé, la communication est muselée là-bas. C'est la population qui sont en colère là, qui ont bloqué la route. Aujourd'hui, ils ont dit non, trop c'est trop, le gouvernement ne peut pas arracher leurs terres comme ça, sans les indemniser, même si c'est pour les indemniser, mais c'est trop. Ils ont pris plus de 7 km de leur terre. Et dans les 7 km, il y a deux quartiers qu'on les demande d'évacuer, deux quartiers là. Mais même si on doit les indemniser, même nos frères là, on va les donner même combien même d'abord. Parce qu'ils se disent que c'est les gens qui ne connaissent même pas leurs droits. Hein? Donc on doit arracher ça comme ça là. Donc voilà pourquoi la colère de la population. Ils sont sortis, ils ont bloqué la route centrale. Voilà, allant à Maroua, parce que ça c'est à Salak. Ils sont sortis comme ça pour bloquer la route. Voilà, donc il va falloir que vous partagez ça et vous expliquez aussi à tout le monde ce qui se passe de ce côté de l'extrême nord, parce que cette population est muselée. Voilà, c'est le gouvernement qui a arraché leurs terres pour donner à l'armée. Plus de 7 km, et dans les 7 km, il y a deux grands quartiers, ce qui fait mal même. Il y a deux grands quartiers qu'on les demande d'évacuer. Voilà, que l'espace là, ils vont donner ça à l'armée. Donc la population est sortie, elle a bloqué la route là, la route nationale là, pour dire que non, non, trop c'est trop. Voilà, et il va falloir que le gouvernement arrête de prendre leurs terres comme ça, et voilà, sans rien, sans les donner même quelque chose de bien, même sans les indemniser même. Et voilà, c'est le hoha. Voilà, on les impose de quitter aussi leur quartier. Donc tout ça là, c'est ça qui a amené la colère là de la population. Elles sont sorties pour bloquer la route centrale. C'est la route là qui est bloquée comme ça là que vous voyez là. C'est la route là comme ça là. Et voilà. Donc il va falloir que vous expliquiez ça à nos frères de tous les côtés qu'il y a une manifestation aujourd'hui à l'extrême nord. Et cette population est en colère pour dire non. Voilà, vous voyez là. La population est en colère, dit non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Vous allez suivre ça. Voilà la route là que vous voyez là. Vous avez vu comment ils ont bloqué ça, non? Voilà. C'est la population qui sont sortis comme ça là. Pour bloquer la route là. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ils ont bloqué. Bon, il y a un esprit quand même d'éveil de conscience. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Il y a un esprit d'éveil de conscience. Ils ont compris que s'ils dorment leurs esprits là, c'est pour eux qu'ils vont aller. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas pitié des pauvres. Voilà, ils s'en foutent des gens. Ils arrachent. Dernièrement, comment on appelle les fois, c'est à Kibati. Ils ont aussi arraché combien d'hectares, combien de kilomètres d'espace des gens comme ça là. Et voilà, ils ont arraché ça comme ça. Et c'est la même chose qu'ils veulent faire aussi ici là, de ce côté de l'extrême nord là. Mais ici, la population est sortie, a bloqué la route pour dire non. Trop c'est trop, ça ne doit pas se passer comme ça. C'est ça qui est là. Merci.